on dirait que Dieu vous a fabriqué l'un pour l'autre. Oh, vraiment. Mais c'est quoi, je te parle, tu ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Hein? Mais oh, bébé, qu'est-ce que tu veux de ma fille? Hein? Qu'est-ce que ce centre a fait? Moi, j'ai un double tuer ma fille. Non, sa fille. Sa fille, arrête de pleurer. Pleurer n'est pas la solution. Sandra, transforme. Non, ne pas ta fille à pleurer, à pleurnicher. C'est bon. Attends-moi, vous laissez. Attends-moi. Alors, on entamera la procédure de divorce. Si c'est ce que vous souhaitez vraiment. Maître, je veux divorcer. Et je vais divorcer. C'est comme ton frère, il s'est ressaisi à temps aussi. C'est Félix qui est maintenant à la maison ici, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de mon fils, Dieu merci. Ton frère en tout cas, vous avez bien fait. Non, attends, c'est compliqué tout ça. Vous êtes marié légalement, elle est peut-être partie, ce sont des caprices de femme, mais retrouve-la, c'est ton épouse. Crime me glisse entre les mains, mais c'est rien ça, je suis prête à recycler tous les déchets. Crie Fatim, crie. Mariage, pouvoir. Ça sort de l'eau, mais il y a poussière dessus. Là, avec cette peste de Féli là. C'est aujourd'hui, hein. Féli aura un test à tête avec son destin. Mais c'est ce que moi je t'ai dit là. C'est ce qu'on va faire. Quand on va arriver là-bas, là. Toi tu t'occupes des Zaopé et Féli. Moi je prends Zora. Je mange tous les boucans. Ça finit aujourd'hui. Ça va finir. Ça finit, hein. Ça va finir. Là. Ah, ça va finir. Attends, j'attends la personne comme tête. Attends. Oh, wow. C'est quoi ça là encore? Allô, tu sais même pas qui me dérange même. Oui, allô. Tandis, c'est Sandra. Attends, c'est moi, c'est. Oui, allô. Oui, grand soeur. Oui. Ok, y'a compris. Quand j'étais passé, qui? La petite ménage. Téléphone. Allô. Au revoir. Elle m'a raccroché. C'est ce que. Dans mon téléphone. C'est ce que moi, je n'aime pas chez Sandra. C'est ce qu'elle me dit. Elle ne veut pas qu'on parte là-bas. C'est ce qu'elle m'a dit de rentrer à la maison. Moi, celle-là, je n'arrive pas à comprendre quoi. Où elle doit agir, elle n'agit pas. Jamais. Où elle doit pas agir, c'est elle agit. Propre. Qu'est-ce que ça vous fait là, passer ou bien? J'ai dit, allons-nous-en. Où? Allons-nous-en. Quoi? Elle nous envoie balader sans sommation. Non, c'est possible comme ça. J'allais rester à la maison, elle m'a dit, c'était mieux d'aller boire. Il ne va pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre.
Ouf. Mon massi, me retrouver dans cette situation. Il me faut absolument retrouver cette Félie. Mais où la trouver? Est-ce qu'elle n'a pas quitté le pays? Je l'ai vu un jour sortir d'un lieu. Ça doit être, je ne sais pas. Je vais jeter un coup d'œil là-bas. Bonjour, je cherche Félie. Je suis une amie de longue date. Ah, je vois. Mais elle ne vit pas ici. Vous allez m'excuser, j'ai des tas de choses à faire. Allez plutôt voir du côté des Wagan. Vous connaissez cette famille? Oui. Bien. Ok, merci. C'est elle-même. Vous dites quoi? Sa Sandra a quitté son foyer. Elle s'est fait lui qu'elle est maintenant chez Wagan, c'est ça? C'est pas possible. Finalement, cette Félie a reçu son coup. C'est inadmissible. C'est vraiment pas étonnant pour moi. Je voyais cette Félie venir depuis longtemps. Mais qu'elle sache que... qu'elle se passise sur des braises. Ok. Merci. Je l'ai. On va voir ce qu'on va voir. Mais comment j'ai pu me laisser surprendre de la sorte? Briser ce qu'elle va aller faire. Comme on le dit, c'est le fer qui coupe le fer. Donc tu me laisses, je vais m'occuper de la salle. Il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire, tu me donnes un pagne déjà porté et un de tes dessous également déjà porté. Ah, ça, tu as raison, hein. Alors, Mildissa, c'est une dernière chose. Quand tu appelles Wagan ou quand il t'appelle, est-ce que vous vous adonnez à quelques petits jeux amoureux? Je parie que vous parlez seulement de boulot, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Parce qu'on parle seulement que de boulot. Bon, voici ce qu'on va faire. Tu l'appelles demain et tu lui dis: chérie, peut-être demain, peut-être ce soir, tu me verras. Pense un peu à tout ce qu'on fera ensemble. Et tu raccroches. C'est pas génial, ça? Félie m'a manipulé de bout en bout. Je porte là le fruit de notre ami. Tu dis quoi? Que je suis enceinte de Wagan. Je ne peux pas commettre deux fois la même erreur.
je veux aller de l'avant et je suis décidée de repartir de zéro. Donner un nouveau sens à ma vie. Maladie de 9 mois. C'est pour ça que je crée ce médicament-là. Pour que la grossesse se passe bien et que l'enfant naisse beau et fort. Ah, je vois. Donc, ma tante, tu as médicament pour faire enfant. Et puis, ça semble apparaître toutes les cliniques là pour chercher un enfant. Ne serait-ce qu'un seul. Non, ma tante, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ça? Mais ton comportement. Quel comportement? Je donne mon médicament à qui je veux. Regardez. Hey! Tu sais que c'est Félix que j'ai choisi pour faire les enfants avec Wagan. Elle va me faire mes petits-enfants. Point. Ça ne se négocie pas, ça. C'est pas la peine. Mais à quoi? C'est quoi? Tu as un problème avec moi ou bien? Pourquoi tu me regardes mal comme ça? C'est quoi? Justement, c'est toi que je suis venue voir. Ah bon? Oui. Je suis venue te dire d'arrêter de dénigrer sa sœur. Tu as compris? Pour ce qu'elle a fait pour vous là, vous lui devez un minimum de respect. Surtout toi Zora là. Hein? Elle a coûté 600 000 francs comme ça pour te les remettre à ton fiancé. N'est quand même pas une mémoire de coq. Maman, regarde. Tu as vu non? Alors, j'ai arrêté de raconter des histoires là. Bonsoir. Bonsoir. Comment un transfert? Comme d'habitude. Baisse, baisse, baisse. Baisse, baisse. Nouvel arrivage Paris-Lyon, London. Baisse. Le choco. Voilà ça. Coréa, il faut prendre toi. Tu peux regarder, hein. Ouais. C'est la même, c'est ta taille. Voilà. Bon, il faut bien regarder. Et ça combien? C'est 2 bas fils seulement. 2500, si tu ne comprends pas. C'est 2 bas fils. 2500. 2 bas fils. Mais je peux essayer. Oui, essaye. C'est pas quelque chose. Ok. Voilà. Ah, toi aussi. Ça te fait normalement. Doucement. Ah. Non. Je vais arranger ça pour toi, tu vois là. Voilà. Juste. Tu n'as pas besoin de discuter. Ça, il faut prendre ça en même temps. Non. Net. Attends, sans discussion. Fais voir l'autre là. Il faut regarder, tout est griffé dedans. Italien. Yali, elle a compté 500 000 francs pour te mettre à mon fiancé. Toi, ton problème, il est où? Toi là, je me mêle de quoi? C'est mon problème parce qu'elle a arrêté de l'escroquer. Regarde-moi ça. Attends. Hein? Non, c'est Sandra qui t'a envoyé ce matin ici, dans notre propre maison ici, pour nous agresser. Ah, d'accord. C'est Sandra Yako. Elle ne sait même pas que je suis ici. Toi, c'est ton travail ça. Tu passes de cours en cours pour colporter. Tu ferais mieux d'aller te caser quelque part. Tout ce que tu viens de raconter concernant sa Sandra là, mais ça c'est du passé. Et puis qui qu'elle a donné 6 millions, 8 millions, je ne sais pas. Mais c'est l'argent de mon fils, c'est l'argent de Wagan, l'argent de mon enfant. Quand tu viens, tu es ma nièce, il faut parler de toi. Mais si tu es pour parler de Sassandra, tu seras interdit de séjour chez moi ici. Ça, c'est les paroles des personnes qui ne veulent pas changer. Ta pauvre maman, ma petite soeur, en train de vieillir actuellement. Tu n'as même pas le souci de lui faire un enfant. C'est toi qui charges les affaires des autres. Comme disait Yuku, ça sort de l'eau, mais il y a poussière dessus. Hey, ma chérie, poussière là, moi j'ai enlevé ça. Hey, l'eau même n'a pas enlevé poussière, c'est toi qui vas enlever. J'ai enlevé. On dirait que tu deviens folle. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Riz? Oh, rien. Attends, il y a qui t'a ici.
Ça, c'est la veste de Colo l'Italie. Tout est quitté en Italie. Ils ne vont pas qu'honorer. Non. Je préfère. Je préfère ça là. Voilà. Non. Il dit il y a pour toi dedans. Tu veux pas, il y a pour toi dedans. Regarde. Les enfants vont me tuer. Pour up. Tu as vu ça? Tu es sûr? Juste. Ouais. Je te on l'avais pas dit. Te moquer de moi. Si ça me va pas, non. Tu me dis. Toi aussi. Moi, j'aime pas. Je vais me moquer de toi, pourquoi? Attends, le soir, quand tu as tes sapés dedans, tu as sorti là. Et tu le vas pantalon voir. Aussi. Faut voir le pantalon. Touche. Tu vois comment c'est solide? Non, tu n'as pas besoin d'essayer. Les deux à 2500. Voilà. Les deux sont à 2500. C'est à débattre. Il faut du nombre. Bon, d'accord, comme c'est toi le chocolat, j'ai fait ça à 2000. 2000. Mmh, donne-moi 2000. 2000, c'est moi. Attends, petit. Excuse-moi. Attrape mes. Parce que je m'habille comme ça en même temps. Hein. Mmh. Oh, c'est emballé comme ça. Tu as peur. Ouais, toi aussi. Tu dis que tu as payé, puis tu dis tu cherches là, tu ne vois pas là. Non, non, merci beaucoup, le choco. Non, toi, c'est pas emballé, c'est déjà emballé. C'est déjà emballé, non. Ah. Non, merci. Baisse, baisse. Bon, ok, mon frère. Ok, à vous aussi. Une carte de visite. Ah! Une bague encore. Mais ça là, j'ai fait de la charité pour poser un bon acte. Je vais l'appeler. Ouais, ouais. Décidément, c'est triste. Faut toujours que les amis deviennent froissés par nous. Et on est obligé de faire le travail à leur place. Qui êtes-vous? Et qui vous a laissé entrer ici? Mon nom importe peu. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Mais elle est folle, celle-là. Mambo! 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 Madame, c'est quoi? Madame! Comment ça va, Robert? Oui. Eh, viens. C'est quoi ça, Feli? Mais ça, c'est quoi ça? Qui t'a fait ça? C'est grave, ça. Enlevez vos oreilles là, maman. Je ne sais pas la vie. Mais elle a dit clairement que c'est ça, toi, qui l'a envoyé. Tu me dis que moi, mon intuition ne me trompe pas. C'est pas possible. Maman, il y a un gym de bilan dans la bombe bata. Non, appelle plutôt mon wagan. Appelle le wagan. Vraiment. Madame, faut pas me ramener. Ça sent. J'ai mal. Passe-le moi. Oui, je ne quitte pas. Allô? Oui, mon amour. Sandra vient de quitter la maison. Elle m'a défiguré, wagan. Oui, même. C'est pour toi que je subis tout ça. C'est je t'aime, ne l'oublie pas, Waga. Oh, ça fait mal. Mais, maman, on peut même pas t'en attendre. Toi, ça j'ai mal. Madame Yako, 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 allons, allons dans la maison. Viens. Après le divorce, je prends un nouveau départ. Je compte reprendre mon destin en main plutôt que de subir les choses et les événements. Allô? Oui, allô? Monsieur Karim. Oui? Oui? Ah.
Ouais, je suis content de t'apprendre. Comment tu vas? Ok. Quelles sont les nouvelles? Monsieur Karim, étant membre du conseil d'administration, je m'autorise à voir les états financiers. Oui. Les informations publiées par l'entreprise représentent les paramètres sous-jacents de la performance. En prévision de l'Assemblée générale, oui. Il faut que j'aie un jeu de toutes les informations que je puisse m'imprégner des principaux facteurs de risque dont l'énumération a été faite par le rapport d'étape. Mais il faut te calmer, ça. Je voudrais anticiper une séance de travail avec les services concernés si possible. Nous allons évaluer la performance du PDG Wagan. Parce que vous savez que le Miyagi piétine depuis un moment. Oui, ça je sais. Ok. Le salaire qu'on lui octroie, lui sert pour des missions fictives à Ouaga. Donc au prochain conseil d'administration, je souhaiterais qu'on évoque le plan de succession. Mais il faut te calmer. C'est pas comme ça qu'on peut régler les choses. Parce que ce jour-là, de grandes décisions seront prises. Ok, merci Monsieur Karim. Je ne sais même pas pourquoi elle s'intéresse à tout ça. J'avais l'impression qu'elle devrait seulement se limiter à ses paires de ciseaux et à ses chiffons. Écoute Yoko, Fatima prend le virage trop vite. Laisse-moi parler. Comprendre, vous n'avez que ce mot à la bouche. Il n'y a rien à comprendre ici. Il n'y a rien à comprendre. Il y arrive souvent où on pose des actes et puis on ne réfléchit pas. On fait ça. Elle a fait sans réfléchir. Voici comment on va procéder. Non, écoute-moi bien. Voici comment on va procéder. Écoute-moi. Avant de poser cette acte, elle a réfléchi. Ou elle a cherché à savoir si c'est bien ou mal. Elle l'a fait parce qu'elle voulait le faire. Alors, donc on va faire comme elle aussi. Oui. Alors on fera comme moi j'explique. On fera comme moi je vais t'expliquer. C'est ce que je veux qu'on fasse. Ok? Nous devons agir maintenant. Nous sommes dans un marigot. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? On va donc appliquer la loi du marigot. Oui. Ok, bye. Tu m'as l'air bien soucieux. C'était qui au téléphone? C'est Sassandra? Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle voulait? À partir d'aujourd'hui, elle veut prendre part active à la vie de l'entreprise. Je vois. On verra bien où ça va nous mener tout ça. J'ai l'impression qu'elle veut prendre le contrôle du Miyagi. Tu sais, elle et moi avons fait les mêmes études universitaires. Ça, je suis d'accord. Finalement, elle a opté pour sa passion, c'est-à-dire la haute couture. Voilà. Me laissant ainsi les rênes de l'entreprise, afin de la gérer comme bon me semble. Bon sang, à quoi est dû ce revirement de situation? C'est la question que je me pose. C'est clair que sur ce chemin, elle va bien me croiser. Hein? Ah là, c'est sûr. Hein? Ah là, c'est sûr. Ça va pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça? Non. Sassio, Sassio.